Attention, les héros sont fatigués. Cette fois, même James Bond, à qui souvent Snake Plissken a été comparé, n'est plus le héros d'antan. Snake Plissken, rebelle d'un monde totalitaire, est le type parfait du personnage de western, le Lone Gunman. It was an accident. About an hour ago, a small jet went down inside New York City. The president was on board. President. Comme Clint Eastwood d'ailleurs dans les films de Léon, hein, il traîne sa dégaine sans y croire, absolument plus, attendant que les méchants lui tombent sur la gueule. Personne ne l'aime et tout le monde l'utilise, à croire que Carpenter et son personnage sont l'identification de l'un et de l'autre. That's not funny, Plissken. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. 24 hours. C'est un homme qui en a trop vu, hein, décoré à Leningrad, comme l'explique Lee Van Cleef. Il est passé de héros de guerre à rebelle ultra-violent. Tout le monde le croit disparu. Hein. La phrase qui revient pendant tout le film, c'est « Je te croyais mort, Snake ». Il est borgne, il est viril et rappelle un certain Mad Max qui lui ressemblera un an plus tard dans le deuxième opus de Mad Max, Road Warrior, le défi. Surrounds Manhattan Island. All bridges and waterways are mine. Alors, l'intelligence du film de Carpenter, c'est de commencer avec cette carte qui nous indique les repères pour nous spectateurs dès le début du film, afin que l'on se dise « Ok, je vois où tu veux m'emmener, c'est très fort appréciable, merci beaucoup. » On est directement dans un film de science-fiction qui se doit d'expliquer ses propres réalités, hein, fait que toutes les personnes qui rentrent dedans ne soient jamais déroutées. Le film devait débuter sur l'attaque de la banque, le vol, puis l'attaque de la banque et la poursuite qui s'ensuit, où le collègue de Plissken meurt dans le métro. Ça se terminait d'ailleurs dans celui-ci et Plissken était arrêté. Vous trouverez ça sur les bonus du Blu-ray de chez Studio Canal qui est sorti et qui est de très bonne facture. Carpenter l'a enlevé parce qu'il trouvait que ça n'apportait rien à l'histoire finalement et que ça ralentissait même le rythme. Donc New York 1997 est une véritable histoire et affaire de famille, malgré les 7 millions de budgets les plus forts alloués à ce cher John Carpenter depuis ses débuts, et les 3 mois de tournage qui ne seront pas très très simples, vont par son équipe devenir un atout et régler beaucoup de problèmes. Touch me, he dies. If you're not in the air in 30 seconds, he dies. Alors il y a Nick Castle, hein, tout d'abord, hein, qui jouait le tueur d'Halloween, hein, qui avait été dans le premier court-métrage de John Carpenter, La Résurrection de Bronco Billy. Assistant caméraman sur Dark Star, va coécrire le film avec Carpenter et surtout s'occuper de tout ce qui est humour. Donc toutes les petites vannes, les petites répliques qui vont bien, c'est de lui. I'm making you an offer. Bullshit. Straight, just like I said. No time. Give me an answer. Get a new president. Adrienne Barbeau, hein, épouse de John Carpenter, hein, qui avait tourné avec lui sur The Fog et qui l'épousa en 1979, que l'on avait vu aussi dans Meurtre au 43e étage. Comme je l'avais dit dans la vidéo de The Fog, elle est très connue aux États-Unis, tant au théâtre d'ailleurs qu'à la télévision, et elle joue dans New York 1997 le rôle de Maggie. Your Plissken. He wants to see brain. Debra Hill, hein, future femme de John Carpenter et coproductrice sur New York 1997, a collaboré donc sur Halloween et The Fog et elle a débuté sur Asso. Some of them have cars. They took old junkers that were left behind, converted them to steam. We think they may also have a gasoline source in there.
Donc c'est un film avec de vrais personnages, ça c'est quelque chose qui est ultra important, c'est pour ça que je crois que le film marche et ultra culte, c'est que tous les personnages sont là, entourés de mystères, mais montrés dans leur présent, avec leur existence et leur définition qui leur sont propres, en quelques secondes, en commençant bien sûr par Snake Plissken. Tell me. Tell me what? That idea you had about turning the Gulf fire around 180 degrees and flying off to Canada. Kurt Russell, lui, a commencé sa carrière chez Disney dès l'âge de 9 ans. Donc, il a tourné dans des films qui sont plus ou moins intéressants. Il joue un gamin avec un cerveau extraordinaire, des trucs comme ça. Sa première collaboration avec Carpenter fut sur le téléfilm Le Roman d'Elvis. Il est dans New York 1997 le héros de l'histoire. Il s'appelle Snake Plissken. C'est Carpenter qui s'est vraiment battu jusqu'au bout puisque les producteurs voulaient Charles Bronson à la place. Il a imposé Kurt Russell parce que il trouvait que c'était l'acteur idéal, il fallait qu'il soit jeune et du coup Charles Bronson n'a pas été contacté, j'ai envie de dire fort heureusement, et Big John voulait un personnage jeune et voulait donner à Kurt sa chance, il a bien fait, on a trouvé avec lui une figure mythologique du cinéma. Two microscopic capsules lodged in your arteries, they're already starting to dissolve. In 22 hours the cores will completely dissolve. Alors dans la famille toujours, il y a Donald Pleasence qui revient après ses nombreux films et qu'il a rencontré sur Halloween. Vous avez aussi Charles Cyphers qui avait joué dans The Fog et Halloween aussi. Frank Doubleday qui lui est absolument génial dans le rôle de Romero bien sûr, tiré du réalisateur de films de zombies. Romero, where'd you get the hat? Got it from Cabby. Yeah? Traded him. For what? What are you so nervous about? Vous avez le médecin qui insère les capsules dans la gorge de Snake qui s'appelle Cronenberg, on va pas chercher plus loin. Frank Doubleday voilà, est génial avec sa démarche je m'en foutiste qui me fait ultra rire, il est vraiment parfait. Vous avez le producteur de la régie Franco avec qui il va travailler sur The Thing aussi. Dean Cundey à la photographie, magnifique. Tom Atkins que l'on avait vu dans The Fog et que l'on verra dans Halloween 3 qui est excellent, il a même un espèce de petit regard à la fin quand il voit que Snake s'est fait baiser et que finalement le président est une merde et vous voyez le regard de Tom Atkins, il dit putain c'est vraiment un monde de merde. Il est vraiment parfait. Et Alan Howarth à la musique qui va commencer une collaboration très fructueuse avec John Carpenter puisque il avait commencé dans The Fog mais il faisait plus les bruitages et l'ambiance que la musique. Et là pour le coup, ils vont vraiment travailler main dans la main. Get them both back, Plissken. And remember, once you're inside, you're on your own. Oh, you mean I can't count on you? No. Good. Donc Carpenter ne pouvait que se sentir à l'aise avec ces gens-là, vu les problèmes qui allaient se poser sur le tournage d'un film de 7 millions. Alors Carpenter est encore heureux, lui, de tourner. Il n'a pas encore vécu ce qu'il va vivre avec son prochain film. Il est dans cette industrie du cinéma tout heureux au lait du succès de ses précédents films, avec des œuvres axées d'habitude sur le suspense, l'attente où le lieu et l'action étaient réduits à une pièce ou deux. Carpenter va se lancer dans le gros film d'action et d'aventure sur fin de civilisation et d'apocalypse, un vrai film dystopique. Il ne faut pas en douter, New York 1997 est pessimiste au possible. C'est une politique fiction aussi sur une Amérique de droite, une vision désespérée de son pays par Big John qui vient sûrement de ses angoisses les plus profondes, un homme qui se pose des questions sur cette fin de siècle et sur son pays. Carpenter, la réponse elle est simple, il faut tout détruire pour mieux reconstruire, car peut-on vivre dans une société où les armes, le profit, la force et la hiérarchie sociale sont les seuls intérêts? Une société qui décide de faire disparaître dans une gigantesque prison tous ceux qui s'y opposent à ce système de vie, et franchement, quelque part j'ai même l'impression qu'on va y arriver, mais bon, espérons que non.
ce qu'il y a de bien aussi dans ce film-là, dans New York 97, ce qui me plaît, c'est qu'on ne sait jamais comment l'humanité en est arrivée là. C'est à nous de nous poser aussi des questions, à nous d'y répondre. C'est peut-être même celle que les fans se poseront plus dans ce pur divertissement. C'est un film aux situations assez jouissives, il faut le dire quand même. Hein. On prend plaisir à regarder ça. Et on peut même se poser la question de savoir si les prisonniers de New York 97 ne sont peut-être que les assaillants de Assaut. De son premier film. La première mouture du scénario d'Escape from New York fut écrite en 1973, mais aucun producteur n'était intéressé à l'époque. Carpenter va le réécrire et le réécrire encore avec son ami Nick Castle, qui apportera donc la touche d'humour et le personnage de Cabby qui conduit le taxi, joué par Ernest Borgnine. Il faut dire que c'était pour l'époque, un des films soi-disant les plus sombres du réalisateur. C'est pas faux, c'est vrai que le prochain amènera quand même... ça sera le premier film sur sa trilogie de l'Apocalypse, hein, mais à l'époque, c'était vraiment le film le plus sombre, puisque même Halloween n'allait pas si loin dans le pessimisme. Donc fidèle à son amour du western et au film de genre, hein, Carpenter va créer le desperado moderne qu'est Snake Plissken, en pensant à Clint Eastwood d'ailleurs, et engager comme acteur Lee Van Cleef, hein, qui travaillait avec Sergio Leone dans des films ultra cultes, hein, et Isaac Hayes, qui était aussi un héros de film de genre, puisqu'il avait été très connu pour sa musique de Shaft, et bien sûr ses rôles dans les films de Blaxploitation. Alors, le film, étonnamment, n'a pas été tourné à New York. Seulement 2 jours pour les plans de la Statue de la Liberté ou les plans où les hélicoptères sont attirés par les voyous pour remettre la valise. Pour le reste, fut tourné à Saint-Louis dans le Missouri et à Los Angeles. Saint-Louis parce qu'un gigantesque incendie avait ravagé certains quartiers, ce qui était parfait pour donner l'illusion d'une ville désolée. Il n'avait plus qu'à rajouter de la merde sur les trottoirs et sur la route. Il y a énormément de transitions qui se font, vous avez la Statue de la Liberté, vous voyez la caméra qui bouge comme ça, et avec un fond noir sur le mur par exemple, pop, vous retrouvez à Saint-Louis ou à Los Angeles. Joe Hals, qui a travaillé sur Les Dents de la Mer et qui réalisera même le troisième, fit un gros travail donc sur les décors, et c'est quand même grâce à lui qu'on a cette ambiance apocalyptique dans la ville. You, me, and Fresno Bob. You know what they did to Bob? Les effets spéciaux, il faut en parler parce qu'il y en a quand même pas mal dans le film, sont exécutés par la société de Roger Corman, qui était le roi de la série B, même tendance Z pour certains. Le travail qu'ils ont fourni est vraiment admirable, vu l'ampleur du projet et le peu d'argent qu'ils avaient. Pour les passages de vue sur ordinateur entre guillemets, hein. C'était de l'animation classique, donc c'était peint à la main, soit sur des maquettes, soit en dessin animé, pour faire croire que c'était de l'ordinateur, puisque l'image de synthèse n'en était qu'à ses balbutiements. C'est l'année d'après que Tron arrivera et nous montrera que on peut faire un film avec des ordis. James Cameron, le réalisateur futur de films tels que Terminator 1 et 2, Alien le Retour, Titanic, Avatar et j'en passe, Abyss aussi bien sûr, a travaillé sur tous les matte paintings, qui étaient de gigantesques peintures sur lesquelles vous laissiez un petit passage où il n'y avait que du vert et c'était transparent, où vous pouviez insérer de l'animation ou des bouts de film. Et du coup, on peignait les décors en matte painting. Ceux de New York 97 sont absolument magnifiques, il faut le dire. Il y a une scène où les crazies, hein, c'est des gens qui vivent dans les égouts dans New York et qui sont cannibales, donc ils sortent que la nuit pour aller chercher de la bouffe. La bouffe, c'est les gens. Il vient directement de la nuit des morts vivants. Carpenter ne s'en cache pas. C'est quelque chose qui l'a beaucoup influencé. «
Dean Cundey, directeur de la photographie, hein, depuis les débuts, totalement responsable du look du film, hein, Carpenter l'avoue amplement. Il y a un bleu-gris, une profondeur de champ hallucinante, parce qu'il a travaillé avec de nouveaux objectifs de caméra qui ont fait que ce film était genre super net sur le centre et très flou sur les bords, ce qui donnait une ambiance absolument magnifique. Alors il y a certains plans un peu flous de Lee Van Cleef qui là ne sont pas voulus, mais Lee Van Cleef ne pouvait tourner que quelques jours, il devait repartir pour des problèmes de planning, et Carpenter n'a jamais pu rendre net ses plans. Take Plissken, Duke. The man sent him in here. Something's going down. We need him. Donc grâce à New York 1997, Kurt Russell va acquérir son statut de star de film d'action qui ne le lâchera pas. Hein. Il a quand même engrangé du lourd derrière. L'approche assez comic book du film avec ses personnages hauts en couleur, et c'est ce qui fait que le film est génialissime, ne fit qu'augmenter la passion du public et des fans, déjà nombreux pour cette œuvre. C'est Kurt Russell lui-même qui a eu l'idée de mettre un bandeau sur le visage et sur l'œil donc de son personnage. Un des bandeaux était troué pour les scènes de nuit pour qu'il arrive à y voir, sinon il se cassait la gueule tout le temps. Cela fait de lui une sorte de baroudeur avec une assez profonde image sexy, surtout sur les spectatrices de l'époque. Le nom de Snake Plissken existe vraiment, il faut le savoir. C'est un ami qui connaissait un type à Cleveland qui s'appelait donc comme cela et qui avait un tatouage de serpent sur le ventre. Ce mec adorait animer le serpent en contractant ses muscles et donc ses abdominaux. Le nombre de fans qui ont écrit à Kurt Russell pour lui dire avoir aimé ce tatouage et surtout était intéressé de savoir où se terminait la queue a un petit peu gêné l'acteur et ne savait pas comment répondre à cette question. Donc la carrière de Kurt Russell sera lancée avec ce film. Hein. Il a dit à John Carpenter un jour qu'il avait pris un sacré pari pour lui et Carpenter lui avait répondu « Tu as su jouer Elvis, tu peux jouer n'importe qui d'autre. Hein. » Il y a une scène absolument formidable de New York 97 qui pourtant ne dure pas très longtemps et sur laquelle il ne se passe rien. C'est quand Snake Plissken arrive près du pod du président, prend une chaise et s'assoit. Pour prendre un moment, pour penser, pour essayer de trouver une solution parce qu'il est perdu, il n'a aucune idée de là où peut être le président. Et c'est quelque chose, je pense, qui devrait arriver plus souvent sur les films où le héros s'assoit et pense, le héros essaie de trouver ce moment où. Ça reste mémorable et moi je trouve que vraiment c'est une idée géniale. On l'avait retrouvé d'ailleurs cette idée dans Terminator 2 où Sarah Connor était sur son banc et gravé sa phrase célèbre tout en regardant les enfants jouer. C'est des moments où il faut que ça arrive. Il y en a un petit peu marre des héros qui sont tout le temps dans l'action. Il y a un moment, faut pisser, faut respirer, faut boire, faut voilà. Ah, il y a bien sûr la scène du ring. Alors la scène du ring, c'est une scène quand même absolument très Mad Maxienne, très, très apocalyptique, hein, puisqu'on n'est pas dans Rocky là pour le coup. C'est une scène entre Snake et le catcheur du nom de Ox Baker, qui fut vraiment, vraiment difficile à tourner pour Kurt Russell, parce que Baker, n'ayant aucune expérience cinématographique, il s'est lâché sur Kurt Russell en le malmenant avec une grande violence. Ce que vous voyez à l'écran est vraiment vrai, hein, c'est quand il le jette carrément. Ce n'est pas Snake qui défendait sa vie, mais c'était bien Kurt Russell. Donc Kurt lui a dit d'y aller mollo, il dit les gars, c'est du cinéma. L'autre, il voulait rien savoir, il est allé à fond les ballons. Du coup, Kurt lui a foutu un bel uppercut dans le foie. Il a compris qu'il fallait se détendre. Donc Ox Baker était terrifié lui à l'idée de jouer la scène de sa mort, hein, puisqu'on lui avait collé un bout de bois derrière la tête et Kurt Russell devait viser vraiment ce bout de bois avec un vrai clou pour taper dedans puisqu'il lâche la batte et elle tient bien derrière la tête. Ça a été fait et bien fait, hein, puisqu'il n'est pas mort. Mais plus d'un aurait reculé, je pense, avant de faire la scène. Mais bon, ils s'en sont sortis de façon admirable, tant mieux pour eux et surtout tant mieux pour Ox parce que bon là pour le coup il jouait sa vie.
Snake Plissken est bien sûr le héros de l'histoire, mais c'est aussi un sociopathe, un vrai, il ne faut pas s'y tromper. Il vit à la seconde et cherche la moindre once de liberté. Sa dernière pirouette, hein, avec la cassette face à ce président d'une lâcheté absolue, en dit long. Sociopathe, mais avec une humanité plus développée que le premier homme des États-Unis. I can't hear you. You are the Duke of New York, you're A number one. Le réalisateur exprimera pour la première fois une vision assez négative et cauchemardesque du pouvoir des politiques, hein, avec un Donald Pleasence formidable en président des États-Unis, torturé, humilié, qui ne vaudrait même pas la peine d'être sauvé, comme l'explique la fabuleuse dernière scène, donc, où il ne montre aucune émotion à l'égard de ceux qui ont été sacrifiés pour lui. C'est un vrai salopard, du début à la fin. Ayant été torturé pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Donald Pleasence s'est investi comme jamais dans le rôle et l'a accepté aussi pour ça. Three Marines right here, then you go up. They're behind us. And then there's three more. They come in groups of three. Where's the tape, Brain? Donc tous les personnages, hein, tous ces acteurs sont vraiment épatants, c'est eux qui font le film. Hein. Nous avons aussi donc Cabby joué par Ernest Borgnine. Bon ben Ernest Borgnine, toutes ses prestations sont géniales. De Tant qu'il y aura des hommes, de Fred Zinman, l'aventure du Poséidon, de Irwin Allen, les tous salopards de Robert Aldrich et même Supercopter, parce que dans Supercopter il est drôle, voilà, c'est un mec avec une gentillesse, ça se voyait sur lui, sa personnalité et sa joie de vivre manquent. C'était vraiment quelqu'un qui était parfait pour le rôle de Cabby. He's got something hidden in his clothing, and the Duke wants it. What? I'll show you. You'll tell me. Cyanide capsules. The Duke don't want a dead president. Nous avons aussi Harry Dean Stanton dans le rôle de Brain, le cerveau comme on dit, hein, celui qui sert le duc. Il avait joué Brett dans Alien, hein, la première victime de l'Alien, après John Hurt bien sûr, et le Chessbuster, mais la première victime de l'Alien adulte c'est lui. On l'a vu aussi dans Paris, Texas de Wim Wenders ou Sailor et Lula, le Wild at Heart de David Lynch, et avec un petit rôle dans son magnifique Une histoire vraie. Donc un acteur fabuleux qui nous a quittés aussi. Adrienne Barbeau, donc femme de John Carpenter, hein, héroïne de The Fog, bien connue, s'est beaucoup amusée sur le tournage. Elle s'est éclatée surtout sur la scène du pont, hein, c'est sa dernière scène, celle où elle décède. Et la scène du plan de son cadavre a été tournée dans le garage du couple, donc dans le garage de John et Adrienne, parce qu'en fait on ne la voyait pas morte et Carpenter pensait que le public pourrait être un petit peu dérouté. Et donc vous voyez Isaac Hayes se pencher, vous avez ce plan de la mort d'Adrienne Barbeau, ben c'est le garage de John Carpenter. Lorsque d'ailleurs le personnage de Maggie, hein, et le personnage de Snake sont sur le pont et qu'elle décide de ne pas les suivre, qu'elle décide de rester, d'essayer d'arrêter le duc qui les poursuit pour pouvoir eux continuer leur chemin, on comprend ce qui se passe sans aucun dialogue. C'est une scène qu'Howard Hawks n'aurait absolument pas renié d'ailleurs. L'admiration qu'ont les deux personnages l'un pour l'autre est vraiment palpable et c'est un petit moment, mais c'est un moment qui marche très très bien. Donc Tom Atkins, hein, dans le rôle de Rem, comme je l'expliquais tout à l'heure, Lee Van Cleef en chef implacable, mais n'oublions pas qui est Snake, donc ça peut être pour lui une ordure ou un mec droit qui va faire son boulot jusqu'au bout, et du coup va tenir sa parole quand il va revenir. C'est ça qui est fort, c'est qu'il pourrait le laisser pour mort, il n'en a rien à foutre, mais non, il tient sa parole, donc c'est un homme du droiture absolue. Charles Cyphers qui joue le secrétaire d'État, qui est toujours en train de ronchonner, on s'en fout. Vous avez Frank Doubleday donc, qui joue le rôle de Romero, hein, avec son rire, ses feulements, sa façon de bouger est absolument formidable. Vous avez Susan Neblet que Snake rencontre quand il se cache des Crazies, qui était la femme de Kurt Russell à l'époque, qui complète ce casting de grande gueule. Lots of reasons why.
Donc Isaac Hayes, bien sûr, son tic à l'œil, qui est un gars solide, qui est calme. C'est le duc de New York, hein, c'est le boss, c'est le numéro un, comme on dit tout le temps. C'est un vrai méchant. Et il dira même à Carpenter plus tard, les gars, on peut dire que je suis pas mort, je veux jouer dans la suite dès que vous le voulez. La voix off en début de film et toutes les scènes de voix off de femmes d'ordinateur dans la ville autour de New York, autour de Manhattan, c'est la voix de Jamie Lee Curtis en VO, et oui, l'héroïne d'Halloween qui revient pour faire plaisir à Carpenter et donner sa voix pour tout ce qui est voix d'ordinateur. You are now entering the debarkation area. No talking, no smoking. Follow the orange line to the processing area. Donc la musique correspond, mais vraiment déjà à l'époque, hein, clairement, et à l'univers de New York 1997. Elle est bien sûr jouée et composée par John Carpenter en collaboration avec Alan Howarth, comme je l'ai dit. Son thème d'une tristesse, ça fait ressentir presque l'ennui qu'a le personnage à vivre dans cette société dégueulasse. Et le reste correspond vraiment à un film d'action classique. C'est des rythmes très rapides, un synthé vraiment efficace. Il y a des thèmes partout. Enfin, c'est juste génial. Vous avez en plus la chanson des prisonniers qui est très drôle. Les paroles sont à disséquer, je vous le conseille. Voilà, l'humour y est assez brillant. D'ailleurs, dans la scène, elle est jouée par Nick Castle, elle est jouée par Tommy Lee Wallace et John Carpenter qu'on voit à la guitare avec son cigare. Ce sera donc une future collaboration avec Alan Howarth, hein, dont l'accomplissement total pour moi est Prince des Ténèbres, bien sûr. Il va l'aider sur les bruitages et les effets sur les musiques de films. Tout va être enregistré chez Alan Howarth d'ailleurs, hein, sans suivre de règles en analogique. Comme cela est dit dans le fabuleux livre de Bruno Communal, dont je vous parle souvent, mais c'est pas pour rien, achetez-le, bordel de merde. C'est disponible chez Amazon, c'est pas très cher et vous en apprendrez beaucoup si vous aimez la musique de film. Si vous voulez acheter le disque par contre, essayez de trouver la version de Varese Sarabande, dont le son est véritablement le vrai son de New York 1997. Il existe une version chez Sivascreen qui est un peu plus longue certes, mais qui inclut des dialogues au milieu des morceaux, ce que je trouve vraiment moins rebutant, et en plus un mixage pas des plus heureux. You're gonna kill me now, Snake? Alors qui sait si une prison comme ça pourra exister un jour, c'est possible, hein, avec des gens comme Donald Trump, on peut s'attendre à un tout. Son mur au-dessus, enfin son mur devant, qu'il voulait faire au Mexique, c'était quand même un petit début d'eux. Pour lui, pour John Carpenter, New York c'est déjà une prison, hein, c'est vraiment l'archétype du film d'aventure, c'est un pur divertissement et peut-être complètement un western, clairement, un western de science-fiction. C'est assez rare pour être mentionné. Le moment où Snake descend dans les sous-sols du théâtre comporte aussi une scène qui fut coupée sur un passage télé, puisqu'on y voit une jeune fille malmenée dans une cave, comme ça se fait malheureusement aujourd'hui, et lui ne fait rien, ne la sauve pas, et pour éviter de se faire fracasser la tronche par les bien-pensants américains, ils ont coupé la scène pour la diffusion de télé. Il y aura beaucoup de films qui vont suivre, hein, après New York 97 dans le même style, qui vont plagier l'univers avec des séries B italiennes pour la plupart, comme Les Guerriers du Bronx, hein, d'Enzo Castellari, ou 2019, La Chute de New York de Sergio Martino. Mais la meilleure adaptation du personnage de Snake Plissken en adaptation restera Solid Snake, bien sûr, hein, le héros des jeux vidéo de Hideo Kojima pour la série des Metal Gear Solid. Une suite à New York 97 sortira en 1996, elle s'appelle Los Angeles 2013. Nous en reparlerons, beaucoup de gens ne l'aiment pas, et pourtant. Alors bien sûr, New York 97 est mon deuxième film préféré de toute ma vie, je l'aime...
Voilà, je l'aime d'un amour fou, je l'ai revu, je le reverrai encore et encore. Alors c'est du gros 7 sur 6 obligatoire, c'est un chef-d'œuvre absolu et le film d'après prouvera que Carpenter est à son meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous détestez Stanley Plisken, je n'en connais pas mais ça peut arriver, on ne sait jamais, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.